Aimé, bonjour. Nous sommes rassemblés en ce cinquième dimanche du temps ordinaire de carême de l'année B pour glorifier le nom du Seigneur et lui rendre grâce pour ses innombrables bienfaits. La liturgie de ce jour veut nous aider à vivre un carême libérateur entièrement orienté vers l'avenir. Jésus nous révèle que la vie véritable est relation et don de soi. Ce qu'il attend de notre part, c'est que nous mourions à nous-mêmes comme une graine. Alors, en lui, nous pourrons débarrasser de nos cœurs tout esprit d'égoïsme et briser nos enveloppes d'individualisme et d'autosatisfaction. Car la vraie nature de notre humanité ne se déploie qu'en s'ouvrant à l'autre, c'est-à-dire qu'en se donnant. Tout au long de cette messe, nous lui demandons la grâce de le suivre en changeant nos cœurs afin qu'il nous aide à devenir la vigne dont il est le cep. Et maintenant, vous êtes priés de vous lever pour accueillir le célébrant en chantant avec la chorale. Temple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Rends-moi justice, ô mon Dieu, défends ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi, Dieu, ma forteresse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Bonjour, Père. En ce cinquième dimanche du temps de carême, Jésus nous invite à lui rencontrer. Il veut nous rencontrer. Il veut nous guérir. Il veut nous attirer à lui. Au commencement de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu cette grâce
celle de pouvoir rencontrer avec Jésus et laisser Jésus nous toucher malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, malgré notre nudité. Reconnaissons tous que nous sommes pécheurs, implorons le pardon de Dieu. Je confesse. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. À ceux d'entre nous que tu as choisis et qui ont été instruits des saints mystères, accorde, Seigneur, d'être renouvelés à la fontaine baptismale et comptés parmi les membres de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles et des siècles. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34. Voici venir des jours, déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'avais des droits sur eux. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant, « Apprends à connaître le Seigneur. » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Nous allons méditer ensemble le psaume 50. Après chaque strophe, nous chanterons ensemble. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mes torts. Lave-moi tout entier de ma faute et de mon péché, purifie-moi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
J'enseignerai tes chemins aux pécheurs et vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Lecture de la lettre aux Hébreux. Chapitre 5, versets 7 à 9. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion et ainsi conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Qu'il s'attache à mes pas, dit le Seigneur, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Saint Jean, chapitre 12. Du verset 20 au verset 33. Parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande.
nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André. Et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, l'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, je suis bouleversé. Que puis-je dire? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors, du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Et le lendemain, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est faite entendre, c'est pour vous. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Avec ce maillot, jeudi à ce cinquième dimanche, dans le temps carême, c'est que nous avancé, bien avancé dans le désert noir. Nous dit bon Dieu merci pour toute qualité monde que lui attiré à lui-même matin, hein? Parce que à la vérité, c'est lui-même même qui t'a voulu rencontrer avec nous. Parce que lui t'a ba nous toutes possibilités pour nous arriver là, les nous arriver là, Jean nous arriver là, avec tout engouement ça que lui mettait dans nous. M'a invité au prendre un petit temps, fais mes yeux, mets tes mains au sous cœur. Dis Jésus. Matin, moi vini joindre nous. Moi voulais rencontrer avec vous. T'en prie, grand maître. Quittez me contrer avec vous.
Amen. 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 Nous voudrions voir Jésus. Ces paroles ça, grec yo, t'es prononcé. Nous voulons voir Jésus. Saint Jean, prophète Jérémie, le livre hébreu, a aidé nous comprendre. Demande grec yo fait avec apôtre Philippe là et demande ça li doit faire matin an, objet méditation nous dans dimanche ça qui c'est cinquième dimanche dans temps carême dans l'année B a. En pile fois nous doit poser tête nos questions ça yo. Est-ce que nous déjà fait une belle rencontre dans la vie nous? Est-ce que vous songez une belle rencontre ou t'es fait déjà dans la vie ou? Qui est-ce nous t'es oué? Qui est-ce qui t'es marqué l'esprit ou? Et comment comprendre la démarche des Grecs auprès de Philippe? Qui sont-ils? Jésus est-il accessible à tous? Est-ce que n'importe monde qui voulait capable de rencontrer avec Jésus? Et la rencontre ça Jésus voulait faire avec vous. Qui ça qui sorti dans rencontre ça? Ou vin rencontrer avec Jésus matin dans la messe là, est-ce que ou ap tourner la caillou Jean te vini an? Ou bien est-ce que ou pral quitter une transformation faite dans la vie ou pour tourner un autre monde pour gagner une autre orientation? Et combien fois déjà ou tenté rencontrer avec Jésus? Et combien fois Jésus voulait rencontrer avec vous ou jouer la go avec lui ou bal trip j'en voulais et puis après ça ou enorgueilli t'es tout ou dit ou prend. Qui ça Jésus voulait faire nous ouais, voulait faire nous tendre, voulait faire nous comprendre. Mais est-ce que les hommes et les femmes de notre temps cherchent à voir Jésus aussi? Comment l'Église peut faciliter cette rencontre avec le Christ? Toutefois, frère, avec Semio, comme tout Haïtien gagne un petit projet. En premier lieu, on doit avoir un petit projet avec bon Dieu matin. C'est tout un projet. C'est une sorte de révélation aussi. Bon Dieu a fort découvert une série de bagailles ou pas de jamais imaginer. Donc, c'est une méditation. Ce n'est pas bagaille ou pral ka expliquer trop, mais c'est bagaille ou pral chercher comprendre dans fin fond cœur. Projet bon Dieu avec vous matin, frère Maxime, zami mio. Ou besoin bien imbu de secret bon Dieu. Et c'est ça prophète Jérémie dans première lecture. Voulez partager avec nous un grand projet, bon Dieu, à caresser depuis longtemps. Livrer, renouveler alliance qu'elle t'a conclue avec peuple Lia. Et prophète Jérémie mettez en lumière grand axe
nouvelle alliance là doit réaliser dans nous. Bon Dieu, grand maître là a metté a écrit lui-même loi lio dans cœur nous grâce à pouvoir l'Esprit Saint. Dieu se fera connaître comme il se connaît. Dieu, l'offensé, pardonnera les fautes, les péchés de ses offenseurs. Dieu étendra l'alliance à tous. Wow! Bon Dieu a écrit la loi, la parole dans le cœur nous. Pour personne, moun pa di, yo pa te konnen. C'est lui-même qui a écrit yo dans le cœur nous. Et c'est peut-être ça, matin, hein, frère Maxom, yo, nous devons quitter le cœur nous ouvert pour nous accueillir. Message grand maître la vle écrit dans le cœur nous. Et il voulait pour que tout le monde connaisse Jean Liéa, un bon Dieu qui est bon pour tout le monde, un bon Dieu qui est miséricordieux, un papa qui compte pardonner, un papa qui remet toute petite lio sans condition. Ce n'est pas un papa qui a choisi un, qui a quitté un autre, mais son papa qui a baillé chaque. D'après ça, yo mérité. Et les yap mandé autant prix, l'elba ou cadeau pour là, pas chita seulement ap gade par l'autre là, mais fait cadeau pour là travail. Parce que vous avez tout ce besoin pour vivre tant que tout l'autre monde. Parce que ou différent, li ba ou yon bagay qui semble avec vous. Et pour vivre avec lui et pour à l'aise. Même si l'autre a gardé ou, il a dit toute bagaille de ou, mais connaît que bon Dieu, Paola, li ba ou ça pour vivre et pour sentir à l'aise. Frère Maxime, yo, c'est un bel, un beau projet. Comment bon Dieu lui-même a fait pour réaliser projet ça dans où. Mais ça livré faire comprendre matin hein, qui c'est une révélation pour vous. Pour réaliser nouvelle alliance qui annoncée par prophète Jérémie hein, Dieu va se laisser trouver à travers quelqu'un qui devra son véritable lieu de révélation. Il s'agit de Jésus de Nazareth, fils de Dieu et de Marie. Jésus ça que nous avons expérimenté dans le temps carême, un Jésus qui fait le proche de nous. Yon Jésus qui semblait avec nous, yon Jésus qui souffrit même gens avec nous, yon Jésus qui quittait, yon fait ça yon voulait avec lui. Les nous tendez parler de Jésus, tant qu'ou grec yon qui te tendez parler de Jésus, yon te manifesté désir pour yon roi Jésus. Songez, frère Maxime, yo, que grec yo c'est une série de païens que vous teyé. Les nous dit yon païen, nous pas vle dit yon pécheur, mais nous dit yon païen, ça veut dire moun qui pas croire dans bon Dieu. Païen, moun qui pas croire. C'est moun qui pa kwè sa yo qui choisi vin rencontrer avec Jésus.
C'est eux qui demandaient pour rencontrer avec Jésus. Et faut que nous connaissions bien, frère Maxime, l'église, ça que nous gagnons aujourd'hui, l'y former avec deux groupes de monde. Avec monde qui te croit, avec monde qui pas croit. Et autrement dit, l'église là l'y former avec des convertis. Pour parler de commencement de l'église là, nous te doué chercher, découvrir comment bon Dieu dans l'adresse li, parmi les juifs yo que li te vini pour yo, il y a un pile de juifs yo qui te vini converti tout comme chrétien, mais il y a un pile de païens yo, moun ki pat kwè du tout, qui faufile koyo, yo jwen place yo. Parce que bon Dieu, grand maître là, li vin sauve nous par la grâce. Les grâces là à distribuer, quel que soit moun qui prend bon kit li pour le ramasser grâce ou pas capable à l'île. D'où chrétien yo sorti nan juif yo, chrétien yo sorti nan païen yo. Et c'est ça qui fait dans l'église là nous joignent les judéo-chrétiens et nous joignent les pagano-chrétiens. Les judéo-chrétiens, ce sont les juifs convertis dans le christianisme. Les pagano-chrétiens, ce sont les païens convertis dans le christianisme. Et ces deux entités sayo qui viennent by sanouye la jodia. Et c'est ça que fait Saint Paul dit, nous pas sous la loi encore, mais nous sous la grâce. Moun nous teye longtemps li passé, nous viennent tourner you nouvelle créature. Et vieille mentalité ancienne nous devons quitter yo de côté. Et c'est ça qui fait, frère Maxime, yo, étranger ça yo, les craignants Dieu, ils croyaient au Dieu unique des Juifs, mais ils ne partageaient pas encore tous les rituels, toutes les pratiques juives, telles la circoncision, par exemple. Aussi, dans le temple de Jérusalem, un espace propre leur était-il réservé, car ils ne devaient pas se mélanger avec les élus. Les juifs étaient considérés comme étant des élus, mais les païens étaient considérés comme des étrangers. Mais je dis à bon Dieu, grand maître là, bon Dieu, la vie a, li vle fait un changement. Li pa vle ou considéré tout tant kou juif, ni tant kou païen, mais tant kou chrétien. Ça veut dire tant kou moun qui héritier, bon Dieu, tant kou moun qui joigne une grâce spéciale. Il est curieux de voir que ces hommes qui se rendaient à Jérusalem pour la fête de Pâques, tournent leur regard vers Jésus et non vers le temple. Ils commencent déjà à voir en Jésus la présence même de Dieu, le Messie promis. Ils commencent à croire en lui, contrairement aux Juifs qui ont rejeté Jésus. Ces gens nous montre que Jésus est déjà pour ces Grecs l'objet ou bien le centre de la fête de Pâques, le nouvel agneau, l'agneau définitif qui va être immolé. Comment accéder à ce Jésus afin de le voir
et de l'entendre directement. Jodia, Jésus, c'est vrai temple. Jésus, c'est Messia. Jésus, c'est Sila qui est capable de consoler ou là. Sila qui a scié de l'eau dans ou là. Sila qui a baou repoa. Sila qui est capable de cacher ou là. Sila qui a guéri ou là. Frère Maxime, on nous cherche à méditer pour nous bousquer Jésus ça en dedans que nous. Il est possible de voir Jésus et de l'entendre. Oui, c'est possible. Mais il est nécessaire de recourir à la médiation, de s'en remettre aux bons offices des autres, de la communauté ecclésiale, de ses représentants. Encore plus, nous devons faire nous tourner sous côté Jésus. Absimaye la vie by l'autre. C'est une obligation liée pour même qui c'est chrétien ou reconnaître que ou son tabernacle vivant ou apporter Jésus by l'autre. Oui, les Grecs ont dû s'adresser à l'apôtre Philippe. Ils ont adressé à Philippe parce que ils connaissent Philippe, gagne une responsabilité. Ils n'ont pas de peur de demander Philippe pour le rencontrer avec Jésus. Ou même qui est en difficulté, je vous dis, vous n'avez pas besoin de quatre. Vous n'avez pas besoin de passeport. Vous n'avez pas besoin de visa. Pour joindre un serviteur, bon Dieu, pour aider ou joindre, rencontrer avec Jésus. Tout ministre grand maître là, premier devoir, c'est aider peuple bon Dieu à rencontrer avec Jésus. Quelle responsabilité. M'a demandé, est-ce que vous comprenez le temps pour la prière pour Père Oyo? Hein? Vous comprenez le temps pour la prière pour évêque Oyo? Vous comprenez le temps pour la prière pour Père Oyo, Diakou Oyo, pour membres qui ont animé, moun qui ont chanté pour nous, moun qui a battu nous Jésus. Est-ce que nous la prier pour vous? Hein? Nous la prier pour vous? Est vrai? C'est pourquoi je ne passe pas à son côté pour un défidèle qui a parlé pas mal, pourquoi je ne compte pas à ça? Nous devons prendre décision aujourd'hui pour nous apprendre la prière pour Père parce que nous avons une grande responsabilité envers nous. Nous devons prendre temps pour nous la prière pour nous. Chacun a une responsabilité pâle. Les pères ont monté sur l'autel là. Là où c'est tel père, on dit, hein? C'est pas. Hein? Fais ça, poil. Laissez faire ça. Oui. Nous devons l'autre considération. Laissez tel père nous voir qu'à passer, qu'à parler, ou bien qui prend le premier micro, qui prend le prêcher. Dit, Seigneur, je connais où c'est bon Dieu. Qui servit avec moun ou vle, j'en vle, l'on vle, kot ou vle. T'en prie, s'il vous plaît, moi besoin yon parole, la vie, nan moun sa.
Moi besoin de faire moun ça jodi a tourner un instrument de paix pour moi. Moi voulais ou servir avec lui jodi a pour le bail la vie. Et c'est ça qui fait paix à tout. C'est ranger causé ou travail une façon pour que même si yo dit ou c'est lougaou, mais pour personne moun pas jamais kembe au sous dokayo. Ou ka di sonvle de paix. Ou ka di sonvle de paix, oui. Père c'est pour ou lié, di sonvle de lit. Pasteur c'est à pasteur pas ou lié, di sonvle de lit. Seulement bat chien tant de mettre lit. Bat chien, t'en mette li. Frère Marek Semyo, c'est un travail d'équipe. Les Grecs ont eu le privilège de voir Jésus, ils peuvent repartir en paix. Et alors, qu'est-ce que les Grecs ont vu et entendu en allant à la rencontre de Jésus? Les Grecs ont vu et entendu un Jésus qui est conscient du destin tragique et de la gloire vers lequel il est en marche. Un Jésus qui est bouleversé, mais confiant, libre. Oui, les Grecs ont vu un Jésus heureux. Oui. C'est peut-être ça nous-mêmes, chrétiens. Nous devons joindre que contre nous dans Jésus. Un Jésus déjà glorifié par le Père. Car le Père, comme à son baptême et à sa transfiguration, a ratifié la mission que son fils a exercée en son nom. Oui, Jésus est heureux et glorifié au-delà de ses souffrances, car il attire déjà à lui des païens, des étrangers. Même dans souffrance ou, même dans misère ou, faut que l'autre monde dise, ah, moun sa son chrétien lié. Ah, madame sa kon souffri, oui. Ah, madame sa son bon moun. C'est pas parce que vous avez souffri si bousse a tombé devant l'an ou quitter l'allée pour qu'apprend bousse là. Ça pas fait rien. C'est pas parce que vous avez misé ou a verré qui les pousse a blié téléphone non sous banc pour serrer le pouli dans valise pa ou. Non. Ça pas itil ou rien. Ça pas itil ou rien. Au contraire, ça appauvrit ou davantage. Et par cette attraction, Jésus montre que le salut dont il est porteur est universel. L'unité entre le monde païen et le monde juif par son sang qui va être versé est en train de se construire et qu'à sa résurrection, on récoltera en abondance les fruits du don total qu'il a fait de sa vie en acceptant librement d'être comme ce grain de blé tombé en terre et qui meurt et qui produit. Ce grain de blé tombé en terre n'a-t-il pas porté des fruits? Oui, les fruits comme la Pentecôte. Bon Dieu, Jésus nous a, lui parle, Jésus pam, Jésus parle, Jésus parle, c'est Jésus nous lié. Il n'est pas possible, je dis, pour nous appeler le même Jésus, pour nous appeler le même Jésus, pour nous abominer et l'autre l'a souffri. Il est temps pour nous tous qui disent nous sommes chrétiens, nous apprendre à mettre tête nous ensemble pour nous bailler la vie avec l'autre. Il y a Jésus qui voulait libération pour nous toutes, pour nous chaque. Tournons-nous, à l'instar des Grecs de l'Évangile, vers Jésus,
notre nouveau lieu d'attraction, celui qui est devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. Pour qui ça ou pas obéir avec Jésus? Pour qui ça ou pas faire volonté Jésus? Li ka rache au kotoye ya. Ou non situation difficile, même ou pas sentir en paix avec tes tout. Retire kon la, faible du confiance, vini joindre Jésus et c'est comme ça ou ap libéré. Ou ap libéré. Ou ap bien. Ou ap vivre à l'aise. Retire kon kotoye ya. C'est pas là, là, pas là où. Frère Maxime, ou pas, ouais, chaque fois, ou a parlé trop de monde. Pas prendre temps pour parler mal de monde. Cherchez qui ça qui bon monde qu'on fait tout des fois. Au lieu ou a dit 10 bagailles li fait qui mal, dit un seul bagaille li qu'on fait qui bien. Parce que ou pas barrière, ou pas mu, ou pas miraille. C'est au pointier. Quittez moun traverser au pour aller joindre mon Dieu. Pas bloquer moun, pas bloquer moun. Ou pas fait moun. C'est ouwe moun. Bay moun chance pour yo vivre la vie yo. Ou parler l'autre la mal pour yo ka ba ou possibilité pour avancer ou même pour yo ka kite l'autre là et puis ou a saisi ouais c'est n'enterrer ou a enterrer tête tout parce que yo pral découvrir que c'est un faisait koyé y a découvrir que c'est ou lang koyé ou pas de droit on pays cher comme ça ou moun a mouri ou pas besoin fok c'est dans 3 secay pour yo enterrer ou hein youn pour lang ou youn pour corps ou youn pour l'esprit ou non. Faut ranger bagay yo. Donc deuxième lecture jodi a li dit nous ça c'est faut que nous obéi avec grand maître là. Apprendre obéi avec volonté bon Dieu et ça qui c'est volonté bon Dieu le dit pas parler moun mal. Ça c'est volonté bon Dieu pas parler moun mal. Dans le langage créole là nous qu'on dit et tripotaille c'est métier sale. Tripotaille, c'est métier sale. Faut que nous parlions bagaille seulement. Parce que pour venir chrétien, il faut que tout ça, vous mettez en évidence, oui. Nous n'entendons carême. N'entendons carême. C'est un autre regard pour nous gagner. Une autre façon de vivre. Nous devons, ou l'autre monde, pour nous aider l'autre monde en vie, vivre bon côté nous. Nous ne devons pas repousser le monde bon côté nous. Donc, frère, avec ce milieu, ils sont nombreux, ceux et celles, aujourd'hui, qui ont besoin de voir Jésus, qui ont besoin de reconnaître, afin qu'ils s'inscrivent dans leur cœur la loi de l'amour. Au lieu que Oshita, avec l'amour de la loi, ou c'est des règlements, ou à empiler, mais il faut chercher la loi de l'amour. L'amour, bon Dieu, qui pape jamais fini. Ou capable de joindre pardon, bon Dieu. Mais tout simplement besoin pour ou bon guide, ou besoin de bon médiateur, ou besoin de bonne médiatrice pour accéder à Jésus. Bah, tête ou non, comme un bon guide, un bon médiatrice, un bon monde cap orienté un monde. Les autres la vie koto li besoin ou une parole de consolation. Pas voyer la touye tête li, pas bal vieux conseil. Suspend bay moun vieux conseil. En pile moun mouri comme ça à cause de vieux conseil ya bay moun. Et puis pour nous capable rete et ou c'est une façon ou bien ou l'autre, eh bien nous accepter fait crime toute la sainte journée. On nous demande bon Dieu faveur ça. Soyons en Jésus de bons médiateurs, frères et sœurs bien-aimés, de bonnes médiatrices, et qu'il nous soit donné d'enseigner à tous les chemins du Seigneur, afin que leurs égarés, les égarés reviennent vers lui. Comme le chante le psalmisme de la liturgie du jour. Nous avons besoin de tourner des bons
nos amis, des frères, des sœurs, des hommes de confiance. Baissez tête nous encore une fois. Répétez avec moi. Seigneur Jésus, tu es accessible à tout être humain. Tu te laisses voir à travers les plus petits. Au calvaire, dans l'Eucharistie. Donne-moi de contribuer à la croissance de l'Église en accompagnant vers toi ceux et celles qui voudraient bien te voir, vivre une expérience avec toi. Toi qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, faisons monter vers Dieu nos supplications, nos prières pour l'Église, pour le monde. Pensons spécialement aux enfants abandonnés, aux orphelins, aux laissés pour compte. Demande à Dieu la grâce de les trouver un ami, un père, une mère. L'Église universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres, afin qu'ils conduisent son Église avec sagesse sur le chemin qui mène au Christ et soient les témoins et les ministres de sa miséricorde. Prions le Seigneur. Pour les responsables politiques,
d'entreprise et pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les États. Qu'ils prennent soin de ce monde que nous habitons avec la préoccupation de la nature, la justice envers les pauvres et chaque citoyen, l'engagement pour la société et la paix. Seigneur, toi qui entoures de sa tendresse tous ceux qui existent, nous te prions. Pour les personnes qui souffrent de toutes sortes de calamités humaines, celles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, Seigneur, toi qui protèges les orphelins, guéris les cœurs brisés, soulage ceux qui souffrent, viens au secours de nos frères et sœurs qui t'espèrent tant. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie, spécialement les victimes des accidents de la vie, pour les victimes de la situation délétère du pays, pour ceux qui tombent sans pouvoir se relever, que la miséricorde du Christ et la charité des chrétiens les relèvent et les permettent de renaître. Prions le Seigneur. Pour le groupe Alta Force qui célèbre sa première année de fondation. Que le Seigneur les emplisse de courage et de persévérance afin qu'ils soient toujours performants dans leur travail et que tous ses membres soient comblés de la joie qui vient de lui. Prions le Seigneur. Nous tous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui participent à travers la radio, télé, Altagrâce et les autres médias. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être toujours attirés vers lui dans l'amour et le don de soi. Prions le Seigneur. Nous prenons un petit temps, frère Maxime. On pense avec Timon Noyo, petit Noyo. Petit frère, nous, petit soeur, nous.
si la yo qui pas jamais ka l'école, si la yo qui pas gen un papa pour yo rele, qui pas gen un maman pour yo rele, qui la gué pour kontyo. Ou pas kon kote yo dormi, ou pas kon kote yo levé. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Ensemble, frères et sœurs bien-aimés, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre
cœur. Oh, les donnant vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu par l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Max, et tous les évêques, les prêtres, ceux qui forment le clergé paroissial, moi, ton indigne serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Chez nous tous enfin, sur tous ceux, toutes celles qui célèbrent aujourd'hui un nouveau printemps. Sur le groupe Alta Force, sur les jeunes d'Haïti, sur les enfants d'Haïti, particulièrement les orphelins, les laissés pour compte
les abandonner. Permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Parlez-lui avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas
Que le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours compté parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Frère Maxime, je dis à ces huitième jour neuvaine à Saint Joseph. Prenons le temps de nous remettre à Dieu par l'entremise de Saint Joseph, lui-même qui s'est patron nous, lui-même qui s'est gardien l'Église là, gardien famille chrétienne.
Bon Saint Joseph, mais nous qui venons joindre nous jeudi à pour nous vénérer, ou même qui se gardien à protecteur l'église là. N'a pas la prière pour tout responsable yo et pour tout chrétien yo. Aidez-nous obéir bon Dieu. Même Jean avec vous. Pour que ces volontés qui fêtent dans la vie nous. Aidez-nous marcher ensemble dans l'esprit synode là. Pour nous arriver vivre dans communion. Et puis participer pour l'église là capable remplie. Mission comme ça doit. Saint Joseph. Ou même qui se protecteur famille yo. N'a pas la prière pour toute famille yo. Tant prie voyez j'ai gardé yo. Et des familles qui divisent yo joignent chemin dialogue et réconciliation. Et des sila yo qui connaissent épreuve. Joigne consolation yo besoin. Nous remettre famille nous chaque nan main. Toujours camper avec nous. Nous prions tout. Pour moun kap travay. Fais yo toujours béni. Non bon Dieu notre travail yo. Nous prions pour les gens qui perdent le travail. Pour les gens qui cherchent le travail. Fais-le joindre un bon travail pour être capable de prendre soin de la famille. Pour partager avec les gens qui ont besoin. Saint Joseph. Ou t'es un bon papa adoptif. Pour Jésus. Ou t'es prend soin. Ou t'es nourri. Ou t'es protégé. N'a prié pour tout petit monde. Tout adolescent. À toute jeune. Ba yo protection ak direction yo besoin. Pour yo rive imiter Jésus. Et puis joindre nan li inspiration. Lumière ak la grâce. Yo besoin pour yo avancer nan chemin la vie. Chemin selon projet bon Dieu. Saint Joseph, nous remettons tout souci nous yo. Tout besoin nous yo. Entrez dans fin fond cœur. Gardez qui ça vous voulez ou besoin dans mes bon Dieu par l'entremise Saint Joseph. Avec la foi, mandez-le. Saint Joseph, accompagnez-nous. Et puis priez petit tout Jésus pour nous. Pour nous arriver à joindre satisfaction. Nos demandes nous adresser à vous. Et puis à Maman Marie. Madame Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, bonsoir. Comment allez-vous? Avec Jésus, nous tenons bon. Oui, nous ne pouvons pas ne pas remercier notre Dieu, notre bon Dieu, de qui nous avons l'être et le mouvement, de qui nous recevons tant de grâces chaque jour, de grâces innombrables. Comment, oui, comment ne pas lui dire merci? Nous étendons notre remerciement à notre confrère, le révérend père Patrick Edumé, qui vient de prier avec nous et pour nous, qui vient de célébrer avec nous et pour nous. Nous demandons à Dieu de continuer à le bénir, à l'accompagner et surtout à lui donner beaucoup de courage, surtout en ces temps difficiles. Lui qui a dû laisser sa paroisse pour être ailleurs et pour être ici avec nous. Père Patrick, mon frère, mon grand frère, mille merci, merci, merci et merci encore. Aux servants d'hôtel, aux actants liturgiques, à tous ceux-là qui ont travaillé, qui ont contribué pour que cette messe soit célébrée comme elle vient d'être célébrée. Merci à nos musiciens, merci aux caméramans, aux techniciens, merci à vous qui êtes venus pour qu'ensemble nous célébrions notre foi, pour que nous prions notre Dieu. Comment ne pas dire merci à cette belle chorale, hein? À cette belle chorale-là, CNDA, qui d'ailleurs chante toujours bien, mais aujourd'hui il y a un petit plus. Merci, 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 merci. Vraiment merci à vous tous, indistinctement. Merci à chacun et à chacune de vous. Voici quelques annonces que nous avons pour cette semaine. Dimanche 17 mars, cinquième dimanche de carême, nous avions messe à 6h30 à 8h. Nous sommes à la fin de la messe de 10 heures. Il y aura une autre messe à 4 heures. À compter de 2 heures, il y aura réunion, à bien réunion avec tout le monde qui a pu prendre communion. Lundi 18 mars, c'est la clôture de la neuvaine à Saint-Joseph. À bien messe à 6 heures, à 7 heures, à midi. Et à 3 heures après-midi, à bien traversée du désert qui a fait dans l'église avec RTA. Chaque après-midi, sauté 18 pour arriver 21 mars, c'est piscine la grâce avec soleil la foi qui a animé. Alors, mardi 19 mars, c'est la solennité de Saint-Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie, c'est le troisième jour, traversée des airs. Vendredi 22 mars, à 3 heures l'après-midi, toujours gagné, prière divine miséricorde. Et ensuite, il y a un chemin de croix. Mais bien avant, l'église a ouvert. Il y a un chant liturgique, chant méditatif qui a passé, qui a aidé nous mieux la prière. Et puis, il y a un père qui est disponible pour les gens qui t'avaient confessé. Samedi 23 mars, il y a une journée de prière. Et c'est l'anniversaire du groupe Fraternité
cap célébrer dans messe midi dimanche si Dieu veut dimanche cap venir frère mio somio c'est dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur et c'est tout ouverture semaine sainte là, ce qu'on appelle la semaine les semaines vraiment n'a pas entré d'emblée dans mouvement la mort et résurrection Christ là a bien messe à 6h30 dimanche si Dieu veut a bien messe à 9h30 a bien messe à 4h dans l'après-midi avant chaque messe a bien bénédiction rameau n'a profité rappeler nous que après messe 9h30 cap chanter par des jeunes de la paroisse pastorale jeunio et bien a bien activité pour tout jeune qui dans paroisse là a bien en fait c'est une journée qui remplie a bien information a bien partie culturelle a bien tout un petit moment pour partager entre eux ça yo gagne nous les toutes jeunes qui intéressés pour ta passer dans bureau pour yo capable inscrire non yo gagne une petite contribution de 250 gourdes qui mandé à jeune ça yo une façon pour nous capable aider yo joindre un petit rafraîchissement nous connait yo va danser yo va chauffer donc c'est sûr y a soif et tout vent là qu'a besoin petit causer eh ben demande une petite contribution pour nous capable aider yo joindre de croix lundi 25 mars alors lundi 25 mars au mercredi 27 mars à partir de 3h a bien retraite pascale qu'a fait ici là dans l'église et sous RTA a bien confession tout après deuxième messe là que donc après messe 7h et puis a bien confession tout après messe midi pas quitter tant carême n'en fini sans ou pas poser une action pas quitter tant carême n'en fini sans pas poser une action action qu'on va poser faire avec Somio carême de partage et ben on va porter ça nous gain pour nous capable aider l'autre monde qui vraiment affaire difficile respirer nous connaît situation nous toutes compliquée parce que nous toutes n'avons vécu dans pays là situation nous toutes difficile parce que nous toutes n'avons fait même expérience là mais nous aimons dire et nous connaît deux monde mouillé dans la pluie gagnon qui mouillé plus gagnon qui mouillé plus et dans façon bon Dieu bénir dans façon bon Dieu prend soin au capable diriger garder yon l'autre frère yon l'autre sœur nous disons déjà merci pour compréhension nous pour collaboration nous et pour contribution pour nous finir n'a demandé si gagne monde qui célébrer anniversaire de naissance ou bien un événement heureux dans la vie qui présent dans l'église nous avons timide pour nous avancer non nous mettre avancer pour l'hôtel là pendant père Patrick pour continuer la prière pour nous la continuer bénir nous et pendant avec CNDA nous garantir ou content yo va chanter pour joyeux anniversaire entre temps n'a petit bonne fête à Amboise Daïla Berlin, Patricia, Raphaël, Hilarienne, Elibert, membre du groupe Les Servantes et Servants de la Vierge d'Altagrâce, Elijah, André Jean, François Dordi, Françoise Saint-Fort, Jean-Pierre Yves Mine, Josinal Simé, Lovely Brutus, Ludwig Dantes, Marie-Berlina Lotin, membre du groupe et de la chorale Fraternité, Ave Maria de la Grande Chorale, L'Avenir et du groupe Perpétuel Secours. Bon anniversaire de naissance à Marie-Nicolas, Mon Désir, Marjorie, Louis-Mar, Marie-Sylvain Alcimé, Médine Benoît, membre du groupe et de la chorale, de la grande chorale et de liturgie junior. Bon anniversaire de naissance à Patrick Madame Père, Patricia Jacques, Patrick Philippe, Polia Bien-Aimé, Osiane Nazaire, Lamotte Aude. À tout l'autre monde qui a célébré un événement et dans la vie, nous disons bonne fête. Nous disons merci. Et passez un bon dimanche, bonne semaine, qu'un BFM Palagi. Merci. Pour donner offert à ceux qui l'ont.
qu'on perdu mon anniversaire, sois le bienvenu au fêté aux frères, à ceux qui ont déjà perdu, déjà perdu. Ah, le temps qui vient, le temps qui va. Avec ce moyau, nous dit bon Dieu qu'on mette là, merci. Et nous dit clergé paroissial là, merci tout. Avec pardon d'orange, nous avons confié remerciement nous pour le bail l'autre confrère pour nous. Et nous avons demandé bon Dieu pour le continuer qu'un béo dans fraternité ça. Qui rend un pile service avec peu bon Dieu et avec tout l'autre monde qui a gardé de loin. Encore une fois, frère, moi, merci en pile, en pile, en pile. On met fait lui, on met bat bravo. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur bénisse ton peuple qui attend le bienfait de sa compassion. Accorde-lui, Seigneur, dans ta largesse, de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspire. Par le Christ notre Seigneur. Que le Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Bonne et sainte journée à chacun de vous. Merci.